C'est à ce rythme que les agents de sécurité de proximité, ASP de Kolda, ont battu le macadam à travers les rues de la capitale du Fouladou. Nous sommes là aujourd'hui, battre le macadam pour réclamer notre droit. Nous avons travaillé pendant 8 ans pour le Sénégal, 9 ans je veux dire, pour le Sénégal, avec sous des promesses non tenues de l'État, qui nous avait signé des contrats de 2 ans renouvelables une seule fois, qui ne tient pas ses promesses. Nous sommes là à travailler parce que nous sommes des citoyens. Nous voulons l'intégration immédiate dans la fonction publique, la création d'un corps spécial dans l'immédiat. Aujourd'hui, ce que nous voulons du président de la République, parce qu'il a beaucoup promis à cette jeunesse. Mais ils ont été dispersés par des éléments de la police. Faire face à face, table sur carte avec le président de la République. Présentement, la police de Kolda nous jette des lacrymogènes. Moi qui vous parlais à l'instant, mes lunettes de régulation de ma vision ont été directement fusillées par la police. J'ai perdu mes lunettes. J'ai failli perdre mon œil gauche. Il y a eu des arrestations. Ceux qui sont mis aux arrêts sont en garde à vue au niveau du commissariat de la police urbaine de Kolda. Selon une source bien renseignée, ces ASP étaient dans une marche non autorisée.